Ça qu'a fait tout le monde, espérons nous en forme. Je dis à la rubrique Origine, ça c'est un update nous poté pour nous sur Ricardo Ragnar, jeune joueur d'origine haïtienne qui a évolué dans Bayern Munich là. Et bien, côté Likounia après toute année ça, parce que la première vidéo nous a fait sur l'IA c'était en 2020 et Kounia nous va arriver en 2024. Et bien, qui ça joue ça devenir? Est-ce qu'elle arrive à atteindre l'objectif qui s'est devenu joueur professionnel et à jouer dans haut niveau? Et bien, je vais inviter nous rester jusqu'à la fin pour nous connaître plus d'informations sur le joueur. Nous toujours fait ces vidéos sur joueurs qui sont d'origine haïtienne, donc si vous aimez ça faire et si vous besoin de plus d'informations sur joueurs, abonnez à la chaîne là, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tout le monde c'est Ricardo Sidney Marcus Ragnar, il fait 20 janvier 2005 à Port-au-Prince de parents haïtiens. Ici, on attaque un gaucher qui mesure 1m80 et parcours vraiment exceptionnel à jeune âge. Il était commencé à jouer football dans le club de jeunes Arminia Bielefeld avant qu'il rejoigne l'Académie Bayern Munich en 2018. Et c'est jusqu'en 2020 que nous avons découvert et fait une vidéo sur lui. Joueur ça qui jouait une fois avec sélection U15 Allemagne déjà, mais toujours gagné un visa pour le représenter Haïti. Eh bien, qui côté lié actuellement là et qui objectif lié pour carrière lié? Après saison 2022-2023, côté lié était dans l'académie, Bayern Munich là toujours, mais équipe U17 UA. Ricardo Ragnar a pris une décision qui était académie pour rejoindre l'académie Offenheim, toujours un gros club dans le pays Allemagne, côté là évolué depuis 10 ans ensemble avec l'équipe U19 UA. Ricardo Ragnar par un titulaire indiscutable dans l'équipe là. Depuis 2 ans, il joue 19 matchs et puis il faut aussi monter en jeu et des fois entraîner à expérimenter en mi-temps terrain. Au final, dans 19 matchs, Ricardo a marqué 3 goals et délivré 4 passes décisives. Kounyala, est-ce que c'est assez pour prétendre à une place dans le haut niveau A ou bien dans l'équipe première Offenheim? Pas quoi. Donc, Ricardo suppose travailler plus dur pour atteindre le haut niveau A parce que l'année qui a venu là a fait 19 ans et contrairement ensemble avec Offenheim a fini en 2025. Merci d'être nous été jusqu'à la fin. Pas hésiter à nous penser de jouer ça. Abonnez-vous à la chaîne là pour ne pas rater les prochaines vidéos nous. Et puis à suivre sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, mais précisément Instagram là, parce que c'est là nos bases statistiques sur joueurs haïtiens, avec ça qui est d'origine nous. Et sur les tournages, nous avons pile nouveauté, t'as coup Team of the Week, Player of the Month, avec un pile d'autres toujours. Donc nous avons tout le monde. Merci encore tout le monde, et nous avons dit nous, à la prochaine pour une autre vidéo.